La méditation de ce 4 mai est intitulée « La véritable religion ». Chaque arbre se connaît à son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Luc 6, 44. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec. 2 Corinthiens 13, 5. En lisant ce verset, certaines âmes consciencieuses commencent immédiatement à réfléchir à leurs sentiments et leurs émotions. Mais cet examen personnel n'est pas approprié. Notre vie et notre caractère doivent être évalués selon le seul véritable critère de caractère, la loi sainte de Dieu. Les fruits que l'on porte témoignent de la qualité du caractère de l'arbre. Nos œuvres, et non nos sentiments, montrent qui nous sommes. Les sentiments, qu'ils soient encourageants ou décourageants, ne devraient pas être considérés comme le critère de la condition spirituelle. Notre relation avec Dieu doit être mesurée selon sa parole. Cela surprend de nombreuses personnes. Quand elles sont heureuses et joyeuses, elles pensent être acceptées par Dieu. Quand un changement survient, elles se sentent déprimées et pensent que Dieu les a oubliées. Yahweh ne veut pas que nous menions notre vie en doutant de lui. Alors que nous étions pécheurs, Dieu a donné son Fils unique afin qu'il meure pour nous. Pouvons-nous douter de sa bonté? Cependant, c'est en connaissant le caractère de Dieu que l'on peut accomplir sa tâche avec fidélité. Voici une œuvre à accomplir avec sincérité pour le Seigneur. Le Christ vint sur la terre annoncer l'Évangile aux pauvres et il envoya ses disciples accomplir la même mission que lui. Il demande aussi aujourd'hui à ses enfants de faire de même. Nous sommes appelés à rassembler les gerbes sur les routes et les chemins. Tout ce qui est relatif à l'éternité requiert de notre part plus qu'une religion imaginaire, une religion de mots et de formes où la vérité n'a pas sa place, une religion que l'on admire comme on admire une belle fleur, ou bien une religion de sentiments qui écarte Dieu quand surviennent les difficultés et les épreuves. La sainteté ne consiste pas à en faire profession, mais à élever la croix et à faire la volonté de Dieu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. 1 Jean 2, 4 à 5. Amen.